dans le bureau. Voilà. Ah, tu avais le bureau avant, mais peut-être. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est Anne Suzy Bouillon de Chazourne. Anne Suzy Bouillon de Chazourne? Oui, son éditeur s'est lancé dans le porno. Et elle souhaite te confier les aventures de Wafwaf. Non. En commençant par les aventures de Wafwaf et de son ami Minou. La collection Wafwaf? Oui. Elle veut que je publie la... Ah, mais ça va me propulser au top, ça. Ah, vous avez entendu? Elle veut que je publie la collection Waf. Waf. Angélique, tu es merveilleuse. Bon, je m'occuperai de vous plus tard. Il faut que je rencontre Mademoiselle Bouillon. Tu ne peux pas. Comment? Tu l'as déjà rencontrée. Quoi? En fait, elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre? Eh oui, et c'est Alexandre qui doit négocier le contrat avec Mademoiselle Bouillon. Oh, je ne vais pas laisser négocier le contrat de ma vie par cette agrafeuse de tissu. Je vais aller chercher Arnaud. J'aimerais revenir sur un point de détail. Oui, ce n'est pas du chien dont il a fallu se débarrasser. C'est de l'homme de maison, naturellement. Ah oui. Mais vous êtes toujours en caleçon, vous? Ah oui. Ah, je suis désolée, j'ai toujours un mal fou à le persuader de s'habiller. Tout de même, c'est une affaire importante. Oui, et si importante que mon mari a fait venir son associé, Monsieur Courtois. Voilà. Mais pourquoi? Monsieur le Breton ne peut pas gérer ça tout seul. Eh bien, vous savez ce que c'est? Non. Ah, eh bien, c'est-à-dire que... Comment? C'est notre lune de miel. Oh mon Dieu. Notre lune de miel. Et le mariage a eu lieu quand? Ce matin. Mais bravo! Oh, toutes mes félicitations. Merci. Mais vous ne me l'aviez pas dit. Villa Cachotier. Mais vous ne me l'aviez pas demandé. Et c'est pour ça que vous êtes en... je pense qu'il est préférable que je rencontre Monsieur Courtois. Oui. Si vous pouviez pas sortir dans le bureau. Oh, moi je ne me suis jamais mariée. Et j'adore le mariage. Dès qu'il y a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Vous voulez que je réponde? Chérie, c'est certainement pour toi. Réponds pendant que j'accompagne Mademoiselle Bouillon dans le bureau. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long, hein. C'est à cause de Gary qu'il comprenait. Ah oui, c'est votre boxeur. Ah non, 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 c'est mon RER. Allô? Jean-Loup? Allô? Qui le demande? Qui le demande? Alors, tu passes bonne soirée? Ah, attends, pardon? Mon cœur, il n'y a plus de cœur. Je t'ai vu au lit avec mon cœur. Oh merde! Pardon? Monsieur! Enfin, les dames, c'était pas sérieux! Pas sérieux? Mais oui, c'est la première fois que je le voyais, il passait par là et quoi? C'est que là! Où êtes-vous, monsieur, là? Arnaud Courtois? Je ne suis pas chez le Breton. Arnaud? Ah, ben dites-le! C'est Alexandre! Mais où êtes-vous passé? On a besoin de vous ici, vous savez. J'arrive dans 5 minutes. Je suis au tabac. Au tabac? Ah, ben c'est le moment, tiens. Vous n'auriez pas vu Lydie Boulet par hasard? Lydie Boulet? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas à quoi est-ce qu'elle ressemble, là. Ah, aucune idée. Allez, vous ne m'aidez pas beaucoup, vous savez, là. Bon, écoutez, ça risque de couper. Ouais. Je ne reste plus de batterie. Alors, si vous croisez Lydie Boulet, surtout dites-lui bien que... Ben voilà, je lui dirai, hein. Arnaud est introuvable. Ah, il est au tabac. Mais qu'est-ce qu'il fout au tabac? Ah ben, je sais pas, j'hésite, mais je suis à deux doigts de penser qu'il s'achète des cigarettes. C'est bien le moment. C'est exactement ce que je viens de lui dire, moi. Bon, jamais. Il a plus de bonne vie. Mais comment vous savez tout ça, vous? Et oh, je l'ai pas aussi, là. Ça va. Jean, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Oui, mais écoute, le temps de remettre la main sur Arnaud et je m'occupe d'elle juste après. Mais tu ne peux pas. Compris. Eh bien, je me ferai passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. Oui, bah fais vite, parce qu'elle me saoule. Madame Breton.